La Légion étrangère, ça vous parle, non? Mais si, vous savez, les légionnaires, ce sont ceux que l'on voit défiler en dernier à l'occasion du 14 juillet. Ils sont notamment reconnaissables grâce à leur emblématique képi blanc et leur marche plus lente à 88 pas par minute sur la musique du boudin. Leur béret est de couleur verte et leur insigne représente une grenade à 7 flammes contenant le numéro de leur régiment, à l'exception du 2e REP qui porte l'insigne des parachutistes. La Légion étrangère est une force de l'armée de terre qui permet à des étrangers de servir sous contrat dans l'armée française. Elle est composée de 9000 soldats de plus de 140 nationalités différentes. Créée en 1831 pour combattre les rébellions en Algérie, elle est uniquement constituée de régiments de mêlée, infanterie et cavalerie, d'appui direct, génie combat, et de parachutistes. Mais pourquoi? Les légionnaires sont entraînés pour être des combattants aguerris, capables de mener des actions offensives et défensives dans des environnements difficiles.